400 000 truites mouchetées pêchées dans 1000 lacs et 3 000 touristes italiens chaque été. 137 sites de camping, 156 km de clôture et, malgré tout, 65 orignaux qui défoncent des pare-brises chaque année. Bienvenue dans la réserve faunique des Laurentides, champ de bataille éternel entre la faune et les voitures. Communément appelée le parc, la réserve couvre 7 861 km². Elle est traversée par la route 175 qui constitue le principal lien entre les Tremblay et le reste du Québec. Inaugurée en 1948, la route 175 est le théâtre chaque année d'une cinquantaine d'accidents mortels et de plus de 1000 dépannages. Elle fait aujourd'hui l'objet de travaux routiers importants. C'est au 100e kilomètre qu'on trouve l'Étape, le célèbre centre de service composé d'un garage, d'une station d'essence, d'une rôtisserie, d'un poste de patrouille secours et d'un poste ambulancier. Mais le parc des Laurentides, c'est aussi Donald, responsable environnemental du chantier. René-Claude, propriétaire du garage et gérant de la station-service. Roland, le chasseur de prédateurs. Et Régent, pêcheur du dimanche.